Soldats, il faut élargir l'Empire de France. Le Royaume-Uni est notre pire ennemi. Aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de perdre. Nous sommes nombreux. L'ennemi est derrière cette colline et arrive à l'attaque pour la France! Yo les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Garry's Mod, un mode Dark RP. Et aujourd'hui, nous allons faire Napoléon. Vous avez été extrêmement nombreux à le demander en commentaire, vous pouvez voir avec tout ce qui s'affiche. Donc bien évidemment, je suis à l'écoute de mes abonnés, je regarde tous vos commentaires et je me suis dit, ben on va le faire. Si vous kiffez la vidéo, en tout cas n'hésitez pas à exploser la barre des likes, je compte sur vous. À me dire en commentaire quelle prochaine scène RP du coup vous voudriez. Mais le plus important, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification. C'est le plus important. Et nous allons voir si Napoléon va réussir à conquérir l'Amérique. On est où là? Qu'est-ce qu'on est là? Soldats! Qu'est-ce qui s'est passé? Où sommes-nous, soldats? On est où? Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait la forêt de Brocéliandre. Mais c'est impossible! Nous sommes sur une autre bataille. Putain. Nous ne sommes pas en Bretagne, messieurs. Nous sommes à la guerre. Mais où sont nos ennemis? Ils ont tous disparu. Je ne comprends rien. Nous étions en train de les attaquer. Quand tout à coup, j'ai senti comme mon corps. J'espère que nous ne sommes pas morts, soldats. Est-ce ça le paradis? Non, il est impossible. Impossible. Toi, avec ton musquet, mets un coup de musquet à ton camarade pour voir s'il est vivant. Oh putain, il est vivant. Nous sommes vivants, soldats. Oh putain, il y a eu du sang partout. Soldats, en rang, devant moi. Où sont les chevaux? Allez, soldats, pas à la queue-leu-leu. Oh, toi derrière, tu te réveilles. Mais pas à la queue-leu-leu, à côté. Mon dieu, mais c'est une armée de bras cassés. J'espère que vous serez prêts pour Waterloo. Mais j'ai quelques craintes, malheureusement. Toi derrière, tu te mets à côté des autres. Mon dieu. On t'a dit à côté. Notre armée a été décimée, certainement. Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais nous allons le découvrir. Nous allons avancer droit devant. Et nous allons voir ce qu'il se passe. Chargez, trompette! Allez, soldats! Avançons! Pour la victoire! Mon dieu, il y a un fleuve! Traversez le fleuve! Allez, soldats! Mon dieu, nous arrivons sur une forteresse! Il y a un mur! Qu'est-ce qui se passe? Mon dieu! Des charrettes sans chevaux! Mais que se passe-t-il? Mon dieu, une charrette nous fonce dessus! Tirez! Tirez, soldats! Tirez! Charrette du diable! Charrette du diable! Mon dieu, mais quel est cet accoutrement? Soldats, repli! Repli, soldats! Repli! On se replie! Repli! Mais on est où là? Qu'est-ce qui se passe là? Écoutez, en rang, soldats! En rang, soldats! Pas de désorganisation! Je sais que nous sommes choqués! Nous n'avions jamais vu cela! Écoutez, je pense avoir compris ce qu'il se passe! Vous allez avoir du mal à me croire, soldats! Mais je pense que nous sommes dans un monde parallèle! Effectivement! Ça ne peut être autre chose! Écoutez, réfléchissez, soldats! Des charrettes sans chevaux, nous sommes en 1810! Comment cela est-il possible? Comment les charrettes peuvent-elles avancer seules? Et l'accoutrement de ces soldats? Je n'avais jamais vu cela! Jamais! C'est quoi? Soldats, je n'en ai aucune idée. Mais je ne vais pas vous cacher que j'ai cru voir le drapeau de l'Amérique! Oui, soldats, le drapeau de l'Amérique! De l'Amérique de l'Est. J'ai des personnes qui m'ont parlé de l'Amérique de l'Est et je ne sais comment, mais nous sommes en Amérique.
putain. Sérieux. Mais comment c'est passé? De l'autre côté de l'Atlantique, je ne sais pas comment c'est possible, messieurs. Peut-être qu'un sorcier nous a jeté un sort lors du champ de bataille. Un soldat ennemi! Chargez, soldat! Allez, l'assaut, vite! Allons-y! Qu'est-ce que ces câbles? Mon dieu! C'est quoi ce truc au-dessus, là? Je ne sais pas! Où est-elle, notre ça fait du bruit! Nous sommes dans un monde maléfique, soldat! La charrette nous poursuit! Soldat, en ligne pour arrêter la charrette du démon! Mettez-vous en ligne! La charrette n'osera pas nous foncer dessus! Les chevaux sont peut-être cachés à l'intérieur! Soldat! Restons en ligne fixe jusqu'à ce que l'ennemi nous attaque! Au du shérif du comté de Davidson! Rendez-vous les mains en l'air immédiatement! Soldat! C'est quoi cette langue? C'est quoi ce bruit? Il joue le bureau du shérif! Monsieur, il crie le super. Ne faites rien! Je ne sais pas comment il crie aussi fort! Et la France! Vive la France! Et vive l'empereur de France! Il n'ose point attaquer! Charrette du démon! Nous sommes encerclés par l'ennemi! Mettez-vous autour de votre majesté! En cercle! Nous sommes encerclés! Nos troupes sont trop affaiblies! Il y a des mécréants un peu chaud dans le truc là! Mon dieu! Regardez! Ils ont des armes qui sont miniatures! Miniaturisées! Mais qu'est-ce qui se passe, putain? La France! L'empereur s'enfuit! Tirez! Faisons la guerre, soldats! Faisons la guerre! Allez, soldats! Battons-nous pour la France! Il faut conquérir l'Amérique! Attention! Faites gaffe! Restez à couvert! Attention! L'empereur est obligé de se battre à votre place! Mon dieu, nous avons des soldats ennemis de partout! Prends-les les couilles, on attache. Napoléon est dans des failles spatio-temporelles. Oh! Mon dieu! Y'a un SDF dans ma porte. C'est qui? Messieurs! Je suis l'empereur Napoléon! Mais vous faites quoi dans la maison, en fait? Et moi, je suis la reine d'Angleterre, peut-être. Où est-ce qu'ils sont mes busibs, alors? Messieurs, tout ce que je vous dis est vrai. Je viens de livrer bataille avec l'Amérique, avec les soldats de l'Amérique, mais je ne comprends rien. S'il vous plaît, il faut que vous m'expliquiez, messieurs, bande de gueux, où suis-je? En quelle année sommes-nous? Et que faisons-nous là? Allez-y, entrez. Merci de m'offrir le gîte. Allez, une petite bière. Mon dieu! Oh, cette armoire fait-elle du froid? Quelle diablerie est-ce? C'est les nouvelles technologies, quoi. Ça évolue, on est en 2023, je vous rappelle, monsieur... 2023, oh, mon Napoléon, dieu oui. Laissez-moi m'asseoir. Servez-moi à boire, tavernier. Je connais cette odeur... de la bière. Les fûts sont miniatures dans votre époque. Tout est industrialisé, monsieur. Je connais. Ouvrez! Oh putain, non, on a arrêté. Ils ont cassé la porte. Mon dieu, d'autres soldats sont là. Venez dans cette taverne. Barricadez la porte, soldats. Racontez-moi l'histoire, s'il vous plaît. Vous avez dit que nous étions en 2023. C'est ça, exactement. 2023, mais comment c'est possible? Messieurs, il s'est passé quelque chose sur ce champ de bataille. C'est quand même des meubles Ikea. On s'en bat les couilles, on va les repayer les meubles, on s'en bat les couilles. Messieurs, nous étions en 1810 après Jésus-Christ, quand nous sommes arrivés en 2023, 213 ans plus tard. 213 ans. C'est impossible.
Votre majesté, c'est beaucoup, ça, non ? C'est beaucoup. Et nos femmes, nos enfants. Messieurs, qu'est-il arrivé au royaume de France ? Ah, le royaume de France, maintenant c'est devenu une démocratie. Démocratie ? Vous avez même un président qui est... Quoi ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Un président ? Ouais. Comment ça, un président ? Président, il s'appelle Macron. Emmanuel Macron. Il me semble. LGBT, mais que dites-vous ? Que dites-vous ? S'il vous plaît, n'allez pas trop vite, nous ne comprenons pas, nous arrivons du passé. Votre majesté, qu'allons-nous faire ? Je n'en sais rien, soldat, nous allons écouter encore ces gueux nous parler. Pourquoi les charrettes n'ont-elles plus de chevaux ? Où sont les chevaux ? Ah oui, c'est bien ça, ouais, pourquoi ils sont là, nos chevaux ? Du pétrole, vous l'utilisez pour les lampes à huile, mais maintenant c'est rouler des voitures. Mon Dieu, mais par quel mécanisme ? Par quel mécanisme ? On fait rentrer du pétrole en combustion dans un moteur. C'est la souveraine. Et après, ça entraîne un mécanisme derrière. Oh là 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 là. Simplement. Mon Dieu, je vais m'évanouir. Je vais m'évanouir. Retenez-moi, soldat. Oh ! Mais quel est ce bruit ? Mon Dieu. Mais c'est quoi ça ? Quelle est cette chose ? Mon Dieu, une boîte ! Une boîte qui fait du bruit ! Arrêtez de paniquer. Mais pourquoi tout est miniature dans ce monde ? Et pourquoi vivez-vous dans des boîtes en carton ? Pourquoi vous ne vivez pas dans des châteaux, dans des belles demeures ? On est actuellement 8 milliards sur Terre, donc... Vous n'avez pas de pièces, vous n'avez pas de sous. C'est ça, oui, on n'a pas de jouets. Maintenant, j'en ai encore moins parce que vous avez détruit mes affaires. Mon ordi, l'écran, mes meubles. Soldats, ce sont des gueux ! Nous sommes chez des... C'est des gueux. Bon, écoutez, cher gueux. Nous vous aimons plutôt bien. Il va falloir que vous nous expliquiez comment conquérir l'Amérique. Faut qu'on l'emmène avec nous. Je veux agrandir le royaume de France. Je vais attaquer la Russie. Je vais attaquer et faire la bataille de Waterloo. Je pense d'ici peu. Déjà, il vous faut de l'argent. De l'argent ? Mais je suis infiniment riche. Oui, des dollars américains. Pardon, des dollars ? C'est ça ? Tout à fait. Des Napoléons. C'est une monnaie. Regardez, j'en ai quelques-uns dans mes poches. Regardez, dans mes poches, j'ai quelques pièces d'or. Des Napoléons. Connaissez-vous cela ? Combien cela vaut en 2023 ? Oh, mais je pense que ça va être pour 10 000 dollars. 10 000 ? Mais votre monnaie est sous-évaluée. On a des armes, des grosses armes automatiques aussi. Plusieurs balles à la seconde, sûrement. Pouvez-vous nous en emmener ? En avez-vous ? Mon Dieu ! Mon Dieu ! Regardez la taille de ce fusil, messieurs ! C'est quoi ça ? Comment il est petit ? Oh, c'est d'une lourdeur ! Oh mon Dieu ! C'est Napoléon avec une arme. Testez-la sur le. D'accord. Testez-la sur le gueux. Mon Dieu ! Ça ne s'arrête pas. Diablerie. Putain, Jean. Oui, mais je... Écoutez, messieurs. Jean avait mal parlé de ma femme. Et je ne pouvais le laisser faire. Oui, majesté. Mon Dieu. Bien. Il bouge plus. Où est concentré le pouvoir dans cette ville ? Je vais vous le montrer. Messieurs ! Dans cette ville, je dirais le commissariat. Qu'est-ce que c'est que ça ? Nous allons voir le haut lieu de commandement de l'Amérique. Ah non, pas de l'Amérique, ça c'est la Maison Blanche et c'est très loin d'ici, c'est assez loin là. Mais sinon, il y a un autre lieu qui que c'est le cas ou je sais pas... Pouvons-nous conquérir cette ville ? Mais de la ville... Oh regardez, il y a un nouveau à gauche. De la ville, on va vous y amener, vous en faites pas. Diablerie ! Avec le drapeau ! Pourquoi ils sont aussi durs ? Pourquoi c'est... Il reste encore de l'espace. Pour la France ! Courez derrière ! Allons-y, soldats ! Courez ! Notre charrette est arrivée derrière nous et on nous poursuit. Courez, soldats ! Courez ! Le haut lieu de commandement ! Mon Dieu ! C'est le château fort ! À l'attaque ! Mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Allons-y ! Je capitule !
Je capitule. Le royaume de France va vous faire payer cela. Je sais que nous sommes en 2023, mais d'autres soldats vont être téléportés dans le futur. Mon Dieu, vous osez toucher à l'empereur. Soldats, sauvez l'empereur. Battez en retraite. Allez chercher plus de soldats. Allez chercher des citoyens. Nous devons nous battre contre l'Amérique. Ne vous inquiétez pas, je vais aller en prison pour la France. Ah mais ta gueule maintenant, putain. Mon Dieu, je vais te guillotiner, toi, dès que mes soldats m'auront récupéré. Allez, vous venez là. Dépêchez. Ils sont partis chercher des renforts. Sachez, messieurs, que ce que vous faites est passible de la guillotine. Je peux vous guillotiner pour ce que vous venez de me faire. Ouais, bah ça existe plus. À mon époque, si. Ils viennent d'où, là, tes gars ? Cela existe. À l'ensemble des effectifs, ils vont. Ils viennent de France, comme moi. Putain, ils sont là. Bien. Bien, soldats ! Oh putain. Oh mon Dieu, soldat! Il ne reste plus que vous! Écoutez, je ne sais pas ce qu'il se passe, mais il se passe quelque chose d'étrange avec moi! Comment dire? J'étais dans cette forteresse quand tout à coup, j'ai été happé par quelque chose ici. Écoutez, messieurs, trouvons des canons qui ont peut-être été aussi amenés dans le futur et attaquons cette forteresse, cette bâtisse! Pour la France! Pour la France! Pour la France! Vive l'empereur! Oh, ils jettent des trucs! Oh! Allez! Tirez, soldats! Tirez! Mon Dieu! Les canons ont du mal! À l'attaque! C'est plus Napoléon qui attaque que les autres. Plongez les murailles! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ils ont des clébards! Oh. Ils ont. Oh, putain, ils balancent des choses étranges! Putain! J'ai du mal à respirer! Ils ont tué! Qu'est-ce que c'est, notre majesté? Je n'en sais rien! Nous n'arriverons pas à conquérir la mairie, je crois, mon brave! Nous n'arriverons pas à les conquérir! Soldat, je suis désolé de vous l'annoncer, mais nous ne pouvons conquérir l'Amérique. Ils sont trop puissants, ils sont trop en avance sur notre temps. Nous ne ferons rien avec l'arme à poudre noire. Écoutez, il faudrait prendre quelques-unes de leurs armes pour vaincre à Waterloo.